Alors c'est pas le plus vieux combattant sous contrat que c'est, mais c'est en tout cas le plus vieux ce soir. Ça quand même. Contre un immortel, c'est le programme de ce dernier combat. The Crusher contre The Immortal. Est-ce que le menton de Kurt McGee va tenir devant les frappes de Mac Brown? Est-ce que Mac Brown va savoir défendre face à son adversaire ce soir? Ce sont quelques-unes des questions qu'on se pose avant le début de ce combat. Ces deux garçons-là vont nous donner la réponse. Je pense que ça va pas. On va avoir l'idée assez claire de voir. Oh, non, mon radar. Il faut remonter à 2017 pour trouver trace d'une victoire de Mac Brown avant la fin du premier round. Il a de l'espoir. Voilà, de McGee. Il est au sol. Oui. Dans la victoire de McGee, c'est en 2016. Un premier crochet qui est passé pour McGee. Moi, je suis dans Attention, bien protéger le coup, hein. Le crochet c'est bien, mais le coup aussi c'est important. C'est leur pardon, parce qu'on pense pas 2016 avec une victoire au premier round de la ville, c'était une défaite, c'est 2009. Waouh. Il n'a pas l'habitude de s'imposer rapidement dans ses combats à l'époque même. 2009, c'était pas le UFC hein, d'ailleurs. À l'époque c'était extrême combat. Quand on a touché les caps. Elle n'a qu'à parler, pas ça. Il y a un tas d'orgas qui arrivent et qui disent non, je vais rester. Qu'est-ce qu'on parle? On va rester au milieu du MMA. Plusieurs réalisations, hein, se sont arrêtées, m'ont repris. On va savoir si la fusion entre les deux autres mastodontes à part l'UFC aura lieu entre le PFL et le Bellator. Je pense que ce serait incroyable. Et ce serait le PFL qui absorberait Bellator, d'ailleurs. Et ça serait incroyable. Le fait qu'il ait déjà observé le lancement de Fantine, notamment, il y a quelques années. Oh, il y a là au pour qui d'autres acquérants. Oui. Cœur, 4. Faux clé. Alors, bah pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Faux clé. Bon, on va dire qu'il ne se passe absolument rien. Mais on a. Alors après, c'est quand même du temps de contrôle. Voilà. À mettre un crédit de toute ma vie. On en parle souvent, mais ça fait partie aussi de la notation. Bien sûr. Et là, le public, rassurez-vous, il y aura un peu légal très vite. Histoire de remettre tout le monde d'accord. Et pour le moment, la carte préliminaire est un peu. Les deux qui arrivent à carré plus, c'est un gros. On peut les mots qui utilisent des jeunes. Claquer au sol. C'est bizarre.
Pour être totalement honnête, on a vu quand même plus excitant, c'est vrai. Après, il faut dire que cette carte, elle a tellement changé, que ce soit la prélim ou la même carte, hein, d'ailleurs. On rappelait par exemple que Anthony Smith devait affronter Johnny Walker, par exemple. Et puis, l'UFC a décidé finalement de mettre en promotion Rosentruc Almeida. Ça, c'est quand même incroyable. Hein. On a changé de main event, on a passé de main event en main event. C'est fou. Puis c'est frustrant hein, pour ceux qui étaient en main event. On rappelle que le combat entre Mandy Bone et Kim Ji-young devait avoir lieu. Et ben voilà, c'est terminé. On en avait parlé. C'est terminé. Une frappe. On en a placé une. On en avait parlé. Le menton de Courtmagui. Le menton de Courtmagui n'a pas tenu. Mais il y avait. Voilà. Il se demande encore avec les yeux écarquillés. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Incroyable. Ah, mais il a presque réveillé aussi, Incroyable. Il est mortel. C'est lui l'immortel. Ah, il est incroyable. C'est Duncan MacLeod. C'est lui. C'est l'Islander. Incroyable. 24e victoire, 16e KO pour Dan Brown, l'immortel est là, mesdames et messieurs. C'est lui qui va vous surprendre. Waouh! Un WG. Un WG. Ah mais là, tu sais comment il vit, le cas là. Choc, caref dans son visage, hein. Il tape des vides, mais qu'est-ce qui se passe? Le KO du soir, c'est un bonus à venir pour Matt Brown que l'on retrouve lui au micro de Daniel Cormier, évidemment, l'immortel aux côtés de DC.